What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui on se retrouve pour quand même pour une vidéo plutôt intéressante à laquelle ça sera une sorte de futur DLC. Alors c'est vrai que Christo, y en a qui vont me dire, bah Christo écoute, eh bien si on écoute tes vidéos, on va dire qu'il y a beaucoup de DLC que Rockstar vont sortir. Alors ça sera des fusions un peu, ça sera un assemblage de tout ce que je vais vous dire, de tout ce que je vous aurais dit aussi. C'est-à-dire que voilà, je vous ai parlé un peu de tout et de rien. Il y a eu de ce fameux hélicoptère, de ce fameux braquage. Il y aura une fusion, c'est-à-dire que pendant une période on va retrouver un DLC avec l'hélicoptère et d'autres choses. Et pendant une période on aura juste les braquages, etc, etc. Faut pas se dire que à chaque fois je vais vous parler d'un truc que ça sera que un DLC. Il y aura un DLC qui risque de regrouper 3 ou 4 de mes informations, hein, forcément, parce que sinon Rockstar ont dû, voilà, ils ont pas mal de travail si ils regardent mes vidéos, dans le sens où je vous donne quand même pas mal d'informations sur les DLC et ils peuvent pas, ils vont pas sortir à chaque fois un DLC pour ça ou pour ça ou pour ça, et ça sera une fusion. Ils vont assembler tout ça et puis ils vont rendre un DLC un peu plus gros, un peu plus fun. Et aujourd'hui on va donc parler de la club, d'un club de comédie qui risque d'apparaître sur le jeu GTA V, que ce soit dans le mode solo ou dans le mode multijoueur. Pour vous parler un peu plus, il y a eu un leak d'une image qui a été leakée. Ça c'est un peu ridicule comment je vous le dis. En fait, si on regarde bien ce leak, il y en a qui vont me dire what the fuck, what is that? Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement une mini-map en fait d'un bâtiment de comédie. Voilà, donc vous savez, lorsque vous rentrez dans un bâtiment, vous le savez tous je pense, vous avez un peu la map un peu du bâtiment en fait, voilà les locaux où ça se retrouve, où on trouve tout ça, voilà, donc c'est à peu près ça. Et donc ici on a eu un peu l'emplacement, enfin en tout cas la petite map du bâtiment ce club de comédie qui est apparu aussi en même temps du leak. Pour l'instant on ne sait pas exactement où il va se placer. D'ailleurs au passage on le retrouve aussi sur GTA 4, je sais pas si vous avez testé un peu les clubs de comédie, enfin aller dans un bâtiment de comédie, tout ça, regarder un peu. En fait, bon, c'est en anglais aussi, donc c'est un peu chiant sur GTA 4. Et en gros, t'as quelqu'un qui arrive à faire son petit spectacle pendant. C'est court quand même, hein, c'est 2 minutes, 3 minutes. Et va, voilà, il va rigoler. C'est quand même de l'humour noir, hein, si vous comprenez. Parce que malheureusement, c'est qu'en anglais. C'est un peu spécial, mais c'est vrai que bon, ça peut être marrant. Et donc, il y aura, à mon avis, dans l'avenir, parce qu'il y a eu des leaks, ça en parle beaucoup, surtout dans la communauté anglaise, ça en parle. Après, dans la communauté française, je crois que je dois être l'un des seuls à vous y en parler. On pense que ça va remplacer en fait le bâtiment qui s'appelle Split Side West Comedy Club. Donc c'est un bâtiment qu'on retrouve en fait au centre de Los Santos. De toute façon, quand il y aura le DLC qui sortira avec ce club de comédie, il y aura forcément une localisation de où en fait on va pouvoir le retrouver, voire les retrouver, parce que je pense qu'il risque d'avoir plusieurs clubs. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais à mon avis c'est une grosse possibilité. En gros, dans cette vidéo là je suis en train de vous dire tout simplement, avec des leaks, comme quoi il y aura des fameuses sorties, on va dire, de clubs de comédie. C'est-à-dire voilà, au niveau des, il y aura des comédiens, tout ça, dans des petits bars, des trucs comme ça. Ça pourrait être assez drôle, c'est des petites animations supplémentaires. Mais dans ce DLC là j'espère qu'il y aura pas que ça et qu'ils vont rajouter aussi d'autres trucs, comme par exemple, je sais pas, un hélico ou un truc comme ça, au niveau des véhicules, hein, parce que si on reste que dans un DLC de comédie, ça serait un peu dommage quand même, hein. Mais voilà, en tout cas ce leak là a été envoyé, beaucoup de youtubeurs anglais en parlent. C'est pour ça, bon, moi je fais juste l'interprète ici, c'est pas venu d'un site web tout ça, c'est par des youtubeurs. Donc après ça reste à voir, est-ce que voilà, c'était, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. En tout cas, prenez-la quand même avec considération, parce que ça a l'air d'être plutôt intéressant et ça a l'air d'être une bonne idée honnêtement que Rockstar mette, on va dire, une sorte de choses comme ça en fait sur le jeu GTA 5 qu'on retrouve aussi sur GTA 4. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. C'est tout de suite sur ma page YouTube personnelle, merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.